Bonjour, c'est Camille de French Today. Today we're going to watch a story in Passe Composé using the Sims. This is the first video of a two part lesson. This first video will feature what took place in Philippe's life yesterday evening using Passe Composé. The next video will repeat that story, but I'll add what he was thinking and what was happening around him to illustrate the difference between Passe Composé and Imparfait. So make sure you subscribe to French Today on YouTube. To never miss a video. Voici Philippe. Ce soir, Philippe est rentré tôt du travail et il a mangé un burger. Et puis il s'est levé, il s'est mis en maillot de bain et il est sorti de chez lui. Il a traversé son jardin, il s'est approché de la piscine et il a descendu l'échelle pour entrer dans l'eau. Il a nagé un petit peu sur place. Et puis, il a commencé à faire des longueurs. Philippe s'est approché du bord de la piscine et puis il est sorti de l'eau. Il a couru pour entrer dans la maison. Il a décidé d'aller prendre un bain pour se rincer et se réchauffer. Il est entré dans son bain et il s'est lavé. Il est sorti de la baignoire et puis il a voulu jouer de la guitare. Après un moment, il a posé sa guitare, il a pris son assiette et l'a mise dans le lave-vaisselle. Il a ouvert le frigidaire, pris les ingrédients pour se faire un croque-monsieur et il a commencé à cuisiner. Il a retourné le croque-monsieur. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texto à son ami Pierre. Il a salé son croque-monsieur, l'a retourné une fois de plus, et puis, il l'a mis sur une assiette, et il est allé s'asseoir pour dîner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. In the description, you'll find a link which will bring you to articles on French Today with the transcript and English translation and much more info about passé composé and imparfait. I hope you enjoyed learning French Today. Go to FrenchToday.com to download your free French audiobook to learn French like it's spoken today. A bientôt! And remember repetition is the key.